Salut à toutes et à tous! Bonsoir tout le monde, bonsoir avec un petit peu de décalage pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode numéro 3 de Tomb Raider 2 que nous allons faire ce soir avec une nouvelle étape à Venise. Bonsoir mon bon Pimbou! Bah, je suis désolé du retard, j'ai eu un petit. Petit truc qui m'a emmerdé là à la maison et du coup j'ai perdu un petit peu de temps, mais le principal c'est que voilà, bienvenue pour un nouvel épisode de Tomb Raider 2 et j'espère que ça va vous plaire, en tout cas ça s'annonce bien. Comment vas-tu mon bon Pimbo? J'espère que tout est bon au niveau du son. J'envoie un message à Wanda. Hop. Ah bah aussi, c'est clair. C'est clair, hâte de voir ce que ça va donner. Ah putain, non! Ah, pas les têtes du vieux! Non! Pas les têtes de vieux! Comment ça va, la Miss? Ah! C'est Miss Wanda des Faboules! Oh! La tête des vieux. Ravi de tous vous accueillir ce soir. Bonsoir mon petit Ben. La forme. Pas de Mongol vieux pour le moment. Oh non, non, surtout qu'on vient d'en avoir à l'instant. Donc non, n'abusons pas des mauvaises choses. Bon, j'espère que vous êtes prêts ce soir donc pour voir la suite. Ce soir, Venise est au programme pour la deuxième étape de Lara. Mais non, mais elle ne peut pas utiliser la commande. Mais non, effectivement, la commande ne fonctionne pas sur la console. Demain, par contre, demain matin, comme je ferai du magasin, ça sera utilisable, mais pas là. Mais c'est quand même bien essayé, la Miss. Je vais juste par contre aller me mettre une petite. Ouais, non, ça va le faire. Bon, et eh ben, je suis bien content en tout cas d'avoir fait tout ce que j'avais à faire à la maison. Je suis tranquille. Ça va faire grave plaisir de pouvoir geeker tranquillou ce week-end. Ça va faire du bien, en tout cas, le niveau sera long, c'est sûr. Et ça durera le live entier. Ah, le niveau qui est là, la planque de Marco Baltoli. Avec une flingue, un peu gros comme clé, non? Eh ben, on va tenter d'aller le déloger, le bougre. Donc, je pense que je vise à peu près. J'ai pris un coup de boule. Tout est bon au niveau du son, les gens. Merci beaucoup. Et bah, c'est parti. Sans plus attendre. Oh putain, c'est vrai. Merci beaucoup mon petit Ben. Ouais, je vais quand même mettre une veste.
Voilà. Hop. Pas de soucis, la miss. Ah, toi aussi, il fait faim. Bah, moi, je dois avoir 21, je crois, mais... J'ai un petit... Non, j'ai pas froid, mais bon, il fait pas chaud non plus. Ouais, j'ai reçu la notif. Je sais pas ce qui stream. Encore des conneries. Ah, le Mario Party, ah, quel con. Avant l'épisode de dimanche sur FF7. Ah bah écoute, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ce soir nous n'aurons pas de bug. Ça marche, Miss. Nouvelle étape à Venise. C'est reparti pour un niveau casse-tête ce soir. Et ça fait bien plaisir aussi de continuer Tomb Raider 2. Parce que nous faisons la saga également. N'empêche, ouais, mon petit Pimbou, ça fait trop plaisir d'avoir fait le ménage. Même si j'avais la flemme. Quelles vont être les subtilités du soir? Ouais, bah ouais, et n'empêche, ça fait plaisir. C'est fait, ça sent bon, la serpillière est passée et tout est bon. Là, j'ai mis 3h30. Ah bah toujours, elle est toujours mouillée. Bon, content quand même qu'on fasse cet épisode 2, cet épisode 3. Ah, le fameux. Ah putain, le vieux a été épinglé. J'avais pas vu. Non. Mais tu vois, du coup, Pimbou, j'attendrai. Je pense que. Tu vois, j'en ai parlé à Champac, tu sais, par rapport à. Je t'ai dit que j'allais trouver d'autres emotes. Je vais plutôt prendre les musiques supplémentaires de Final Fantasy. Parce que c'est vrai que les emotes pour le même prix. Les emotes pour le même prix. Déjà, je sais pas où est-ce que je les aurais mis. Alors que les musiques, c'est 15 balles au lieu de 30. Ça vaut peut-être plus le coup, je pense. Oh, c'est du cul. Ouais, bah c'est pour ça. Puis bon, il m'en reste pas beaucoup à...
Ah, oh putain, ça j'avais pas vu ça, merci beaucoup. Par contre, je vois pas ce qu'il a fait de mal, Marco Bartoli, visiblement dépêché. La cage de Marco Bartoli. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Bon, pour le moment, c'est peut-être un peu tôt pour en savoir plus, mais. Oh putain, ça va être ma fête. C'est nice ça. Ah oui, puis je remarque que je suis en munitions illimitées. Ah, attends. Bah écoute, très content d'être en week-end. Ce matin, matinée marathon. Cet après-midi, un peu plus calme, mais par contre, j'avais zéro motivation pour faire le ménage en arrivant à la maison. J'avais qu'une envie, c'était de streamer, de faire mon geek. Mais je me suis dit, bon, je vais me lever demain matin, je vais me dire, putain, faut que je fasse le ménage, je vais avoir la flemme, mais j'aurai pas le choix. Du coup, j'ai dit, bon, bah écoute, je vais tout faire. Je me disais, je vais tout faire aujourd'hui. Mais sinon, ça a été, mais content d'être en week-end. Et toi, mon bon Pimbo? Et même toi, mon petit Ben, comment ça a été? Oh putain, ça a l'air intéressant tout ça. Tomb Raider, je kiffe aussi vraiment beaucoup. Pas autant que FF, c'est sûr, mais je kiffe quand même beaucoup. Niveau taf, c'est chaud. Que des embrouilles entre les collègues. Ah putain, l'ambiance de merde. Et là, tu bosses demain matin, je crois, Pimbo. Ah, t'as mis quoi au four? T'as mis des têtes de vieux en gâteau? Ah, les gâteaux des Faboules! Ah, c'est trop bon ça. Bah, moi, ce week-end, je vais me refaire mon traditionnel andouillette frites. Faut aimer les andouillettes, c'est vrai, mais. Attends, je me. Ah! Et pourquoi donc?
Ça marche pas. Ah, mon pauvre Pimbo, ouais, les ambiances de merde. Vous êtes combien déjà, toi, dans la boîte? Non, ça marche pas. J'ai entendu une... Ah oui, non. Il paraît, c'est ce que tu m'avais dit. Que j'ai pris un coup de boule de... Oh putain, c'est joli. C'est beau. On est en pleine Renaissance italienne. J'aime pas la musique par contre. Ah oui, vous êtes que 6-7 dans la boîte au total? Oui, bah après, le principal, c'est que voilà, bon, ça... Après, ça fait partie de l'histoire aussi. Mais je peux comprendre. Ah ouais, d'accord. Putain, nous, dans la boîte où je suis, on est 200, je crois. Ah, j'adore cette époque aussi. Mais 6-7 en comptant le patronat. Je leur ai dit, on pourrait casser le lit pour avoir une arme de fortune. Bah après, tu pouvais pas savoir non plus, quoi. Chien de cul. Ah, j'ai plus rien. Ah, j'ai sursauté des Dober vieux de cul. Mais c'est trop ça. Ah, par contre, le décor, il est trop beau, quoi. Je sais pas comment vous trouvez, mais. J'arrêtais ça. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Attends. Ouais, je trouve aussi. Faut que je pense à les récupérer les items. Ah, les emotes, ils plaisent, ça fait plaisir. Ah, puis c'est vrai, c'est propre et tout, c'est soigné.
Bon, ça va, j'ai pas perdu. Putain, non! Pourquoi les vieux? Et ça fait plaisir parce que ça fidélise et tout, et ça récompense les viewers. Par contre, là. Ok, je vois. Je vois. Yeah, baby, c'est bon ça. C'est bon ça. Pourquoi monsieur il a pas de froc? J'ai pas compris. Cette petite Tifa. Mais Wanda, pourquoi en particulier Marco Bartoli? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais peut-être l'apprendre. Parce que bon, il a fait des péchés, mais visiblement, on cherche à aller le buter, mais on sait pas pourquoi. Ah, d'accord. Une blague avec le vieux, c'est souvent qu'on dit il porte pas de froc. D'accord. Je ne la connaissais pas celle-là. Non. C'est vrai que ça s'appelait le froc. Et du coup, vous avez JDR dimanche alors, à 21h. Mais je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur Marco Bartoli. Vous allez faire 21h, 22h15. Non, 21h45. Pourquoi par contre? Ah moi je veux bien mais on peut pas sauter. Et là vous avez encore combien d'épisodes à faire? Me le mettre là, c'est qu'il doit y avoir une raison. Ou alors 3, d'accord. Ou alors il faut que le truc il vienne là, mais je ne vois pas pourquoi. À 50 000 épisodes, ça fait un petit peu beaucoup. Oh putain, pourquoi je pense pas les prendre? Et ça compte parmi les items. Clébard de cul. Là, tu paries? Je vais faire une sauvegarde, mais tu paries que si je passe, je vais me faire trancher. Que je savais. Hein.
ça c'est... Ah, et puis ça compte, tu vois, pour 3 items. Ok. Par contre, j'ai l'impression, Miss Wanda et Ben, c'est pareil, que les secrets, c'est pas forcément des endroits, là, c'est plus des statuettes à trouver. Ah, oh, putain. Vous devez être à je sais pas combien d'épisodes du coup. Faut juste qu'on m'explique pourquoi ce truc ici. Ouais, bah, normal. Ouais, donc c'est sûr que ça s'accumule vite. D'ailleurs, ça me fait penser, Wanda, faudra que je te file le truc pour mettre la révélation finale en HD. Et vous avez terminé tard hier le JDR du coup? Non, ça va. Ah, le con. Tu devais. Bon, ça, c'est fait. Je devais déjà dormir depuis un moment, moi, je crois. Ouais, je me suis fait une bonne nuit, là, cette nuit. J'ai dû faire 8 heures et quelques de sommeil. Donc, il y a un moment que je dormais. Ah, mais là, non, je peux pas aller en face. Je peux pas aller... je vais sauvegarder au cas où... Ça sent, je sais pas pourquoi, le boss. Ah putain. Ouais, même que tu m'avais dit que t'étais pas trop emballé. J'ai une idée sur ce qu'il faudrait que je fasse, mais... Écoute, on va tenter. Yeah, baby! Ah, mais il me manque des trucs dans la planque. Ouais, bah après, si t'étais pas dedans, Wanda, c'est sûr que ça servait à rien. Là, c'est un cul de sac, pardon. Ouais, elle était crevée. Bah, tu sais, comme moi, cette semaine, quand j'avais du coup décalé l'épisode de FF,
J'avais le coup de barre le soir et du coup j'avais préféré le faire le lendemain parce que j'étais pas d'attaque. C'est là que j'avais fait, tu sais, le... J'ai merdé. Et c'est vrai que faire un jeu quand t'es fatigué, mais le faire pour le faire et puis pas être dedans. Je vais recharger. Ah, c'est sûr que ça a pas vraiment de... C'est moins cool, quoi. Quel con. Par exemple. Mais du coup, demain, ce sera du level up sur FF7. Ah, les bâtards, là il faut des torches. Maman, t'es pas trop fatigué, toi, mon bon Pimbo? Ah, ça va peut-être être. Ok, j'ai compris. Ah, il attend que je passe. Ah non. Et demain, t'embauches à quelle heure déjà? 8h15, je crois. Non, 12h45. Chien de cul. Non, ça, on peut toujours pas s'accrocher en haut. La planque de Bartoli. Normalement 12h45. Ah d'accord. Ouais, donc du coup tu vas débaucher plus tôt. De toute façon, je ferai un autre niveau demain soir aussi sur Tomb Raider vu que... Vu qu'FF ce sera que pour dimanche. C'est bizarre quand même ce truc. Je vais essayer de le mettre dans l'autre sens parce que ça m'intrigue. Pourquoi ça, on peut le bouger? Ça n'a aucun sens. Pourquoi bouger ce machin?
ça n'a pas de sens. Enfin, ça doit sûrement aussi en avoir un, mais... J'aimerais bien savoir à quoi ça sert, si ça se trouve, c'est un secret. Bah mais non, je suis con. Bah non. Je peux pas faire le tour. C'est un bug ou... Si je le mets là-bas, mais ça va servir à quoi? Sachant que je ne peux pas passer. Ah, mais attends, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Il doit bien y avoir une raison. Bah oui, mais non. Il y a bien un truc, c'est bizarre qu'ils nous mettent un bloc comme ça et qu'ils servent à rien. Remise. Ah mais non, non, ça va être... Bah ouais. Une bouteille de cidre. Surtout le repas. Pourquoi?
Putain, si jamais la bouteille se met à t'insulter, pose-toi des questions. C'est un peu ça. À tous les coups, mais à tous les coups. Mais quel intérêt? Quel intérêt? Quel intérêt de bouger ce bloc? Il y a forcément une raison. Ou alors il y a un truc derrière ce machin. Mais non, mais ça n'a aucun sens, le truc, on va pas pouvoir le bouger. Ça n'a aucun sens. Tu crois? Moi, je veux bien, hein. Ah, mais ils en seraient capables. Allez, malin. Là, ne te viande pas. J'ai pas intérêt de me rater. Ouais, ben, mais là en l'occurrence. Ah putain, ta mère! J'y crois pas, je le savais, je le savais! Pourquoi? Ah! Try again. Try again. T'as la force dans les bras parce que... Bizarre, Cyber est pas là ce soir. Je pensais qu'il serait venu, qu'il serait bien dû. Mais peut-être qu'il regarde en espion.
On l'a acheté 3 chèvres dans un magasin en inscrivant. Donc ils ont cherché la 3 pour rien comme elle n'existait. Ah putain, le gros troll quoi. C'était sur quoi ça, Pimbo? Ah bah oui, c'est clair, comment te rendre fou un humain? Oh! Les 10 commandements. Non, les 11 commandements. Oh, mais tu te fous de ma gueule, Lara, je le savais. Bah. On va y arriver. Oh mais c'est pas possible, tu te fous de moi. Voilà. Non, c'est clair. Moi, il y avait des trucs que j'adorais dans les 11 commandements, c'est quand ils sont au resto, là, qui tournent sur eux-mêmes sur le balai, qui sont complètement pétés. Je me rappelle plus de ça. Chien de cul. Ah oui. Ouais. Il a vu une mongole. Putain, t'imagines? Je vais voir s'il y a une mongole vieux qui passe au-dessus. Non, là, faut commencer à se poser des questions. Non, putain, mais pas cette imode de cul. Pas cette imode de cul.
C'est ce que je vois, j'avais pas fait gaffe au début. D'ailleurs, il faudra que je continue à paramétrer ma chaîne, il me reste plus grand-chose, mais n'empêche que ça avance bien, ça fait plaisir. Là, par contre, ça sent les ennemis, là. Je sais pas pourquoi ça sent les ennemis, là. Ça pue. Faut que je réactive ça effectivement pour les clips. Je l'avais désactivé pendant un temps. Faudrait que je le réactive. Je ferai ça demain d'ailleurs, mon petit Pimbo. Ça pourrait être marrant. Mais par contre, je vais faire en sorte qu'il n'y ait que mes viewers qui puissent faire des clips. Je ne sais pas si c'est réglable. Et tu viens plus aux soirées là. Faudra que tu me dises, Miss. Bah ouais, c'est clair, n'importe qui peut faire un clip. Oh putain. Ouais, c'est vraiment époque bah, vénitienne, quoi. C'est. Allez. Mais après, je sais pas si tu peux pas les faire sur mes vidéos quand même, sur les replays sur YouTube. Ah, c'est vrai que ça serait sur YouTube. Ah putain, j'ai une idée. Non, c'est trop. Mais faudra que je l'active, c'est vrai que c'est une bonne idée, Pimbo. Faudra que je l'active et que je mette ça. J'aimerais. Il manque aussi des émoticônes standards. Tu ne fais pas de jeux qui font peur. Alors, c'est pas que je veux pas en faire, c'est que j'aurais du mal à gérer en même temps par rapport au jeu que je fais. Ah putain! Ah les enfoirés! J'ai fait la recette, effectivement, mais ce qu'il y a, c'est que par rapport au temps. Exactement. Oh non, putain. Et oui, c'est vrai. Après, j'aime bien les jeux qui font flipper aussi, mais. Pour caler dans l'organisation et dans le fonctionnement du stream, je sais pas comment je pourrais rajouter un troisième jeu en fait. Ah ouais, je me rappelais même plus, Miss. Oui, mais je le suis toujours. Je le suis toujours. Mais maintenant, je peux mettre un jeu qui fait peur aussi, mais ce qu'il y a, c'est que pour streamer trois jeux, ça va être compliqué, quoi. Je t'ai connu avant de te voir sur les streams, je veux dire, j'étais pas là. Bah, tu m'as connu comment alors, la Miss?
Ah mais attends ça. Ah d'accord. Et un secret, les amis! Un secret! C'est bon ça, c'était à ça que servait la porte. Je crois qu'au début, même ton pseudo, Miss, c'était Randa the Red. Wanda the Red Witch. C'était ça. Autrement dit, Wanda la sorcière jaune. Ah, le niveau est trop bien, n'empêche. Et t'as moi qui l'ai croisé avec Zachary et le Ryan de Q. C'est vrai, t'avais rejoint la chaîne de Tenko et puis après t'as rejoint la chaîne de Pinkfold. Exactement. Et ça fait plaisir. Until Dawn des barres de rire. De quoi sur le stream qu'on avait fait, Ben, je me rappelle plus. Il paraît. Oh, c'est pas mon genre. Je kiffe vraiment les niveaux sur ce TR aussi. Je préfère par rapport au 1, tu vois. Le 1, par contre, j'ai beaucoup aimé en Grèce et en Égypte, mais ce niveau, ces mondes-là. C'est plus ce que j'ai dit comme connerie sur qu'ils disent, c'est plus beau, plus labyrinthique et tu sens que le tout est plus travaillé. Ouais, complètement. Complètement. Et tu sens d'ailleurs que j'ai presque plus de vie, ça aussi je le sens. Là, il y a un passage ici. Putain, par contre, fallait le voir, je suis tombé juste à côté du levier qui était intégré à la tapisserie. Par contre, vous m'excuserez, les amis, mais c'est une save. Je me rappelle de l'époque des N-World. Par contre, le seul truc où je suis surpris. Oh putain, nice! Le seul truc où je suis surpris dans ce Tomb Raider, c'est que je pensais qu'on allait être en Chine plus longtemps. Bon, après, ça fait partie du scénar.
Et je m'attendais pas à ce que Lara ait une poitrine beaucoup plus petite. Sans l'accent chinois. Ils n'ont pas voulu forcer. J'ai pas eu encore l'accent chinois. Là, j'ai eu l'accent italien, mais. On va pas mourir par un rat. N'empêche, les niveaux sont plus durs que. Que les premiers niveaux de Tomb Raider 1, même la fin. Quoique les niveaux en Grèce, c'était pas évident. Le Colisée aussi, c'était pareil, c'était pas évident, évident non plus. Oula! J'adore. Oh putain! Par contre, je suis dans la merde. Bah tiens. Bah voyons. Les pièges et tout, ils sont plus cruels aussi. Bah voyons. Tu l'as continué d'ailleurs, Miss Tomb Raider 2? Non. Ah, par contre, moi je sais que je suis pas du tout jeu de bagnole. Ok. C'est une blague. C'est une blague. D'ailleurs, Miss. Ton emote de mercredi. Ah, oh, mais. Ah, Budokai Tenkaichi 3. Et la map est grande. Il y a un timer de cul, il y a un timer de cul, il y a. Ah, il l'a pu mercredi? Ah merde!
Ah, donc du coup, je peux recommencer à faire mon miso alors. J'aurais. Non, apparemment, non, je peux toujours pas. Je suis mal. On est très mal, patron. Ah, c'est chaud. Suis dans la merde. Non, je vais pas faire la save ici. Oh, tu crois? Ça devait pas se jouer à grand chose. Ah oui, quand je redémarrais et que j'avais plus de vie. Je sais pas si c'est par là. Les trousses de secours, j'ai l'impression qu'on en a moins aussi. Ah, ok. Bon, bah écoute, au moins comme ça, c'est réglé. Mais c'est immense. J'en étais sûr qu'il y avait un chandelier de cul. Ah putain, les cons! Même une poussière. Ah. Ou un rat de cul. Ou un poil de cul. Pardon. A été facile celle.
C'était le risque. Mongol. Attention, attention. Vague de Mongol vieux imminente. J'ai bien fait d'aller là. T'es pas sérieux là? Mais c'est quoi? Mais il y a 15 000 chemins! Il y a 15 000 chemins! Ah, j'ai plus de vie! Et encore! Non, là, de toute façon, là, je ne peux pas. Il y a un truc sur le côté, mais j'adore la conception des. J'adore la conception des niveaux et tout. Ouais, bah là, à mon avis, il va falloir. On va arriver dans la flotte. Maintenant, c'est pas ce que je veux faire. Enfin, pas tout de suite. C'est pas ça non plus que je veux faire. Merde! Chier! Ouais, c'est vraiment, tu vois, des niveaux. C'est plus en ligne droite, c'est vraiment. Ok. Ok. N'est-ce pas? Sinon, elle avait foncé avec le. Ah, il a porte buggée. Là, il y a un secret, là. Là, il y a un secret, là. Je sais pas pourquoi. Putain, mais qu'est-ce qui branle au-dessus de voisin? Non, je refuse de mourir mordu par un rat. Qui gonfle des mongols vieux? Tu crois? Ouais, pourquoi pas, je prends, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne idée, la miss. Effectivement. Et on ne save pas pendant une chute pour ne pas respawn. Comment je peux faire pour l'avoir cette clé de cul? Ouais, bah, parce qu'on a la possibilité, mais c'est vrai qu'à l'origine. On ne pouvait point. Oh, l'enculé, il m'a fait peur ce bâtard là!
J'ai sursauté, il m'a fait peur, ce con. Là. Tu pouvais. Non, tu pouvais aussi. Ah, tu pouvais à l'origine. Donc on pouvait sauvegarder quand on voulait. Mais sur le 3, je sais qu'on pouvait pas, on avait des cristaux de sauvegarde. Oui, voilà, sauf Tomb Raider 3. Ah, je me suis fait niquer. Tout ça pour un mec, on sait même pas qui c'est. Bartoli. Non, là, viens, mon pote. Je vais t'accueillir. Voilà, cadeau. Non mais oh! Qui c'est qui commande? Oh, une trousse de secours. Mais bon, on va la prendre tout de suite et on va faire gémir Lara un petit peu. Voilà qui est mieux. Et là, je veux. Le chef de quoi? La mafia? D'accord. Rien à voir avec Jennifer Bartoli. Pardon, c'était nul. Ou Marion Bartoli. Et Motep. Et les Chinois! Pour ceux qui ont la référence. Bonjour. Ouais, la mafia, ouais. Avec une flingue. Plutôt gros comme clé, non? Et ouais, et ouais, et ouais, on a fait descendre des chandeliers. En tout cas, le niveau est très cool. Un croisement italien et japonais. La clé de la bibliothèque. Alors attends.
Ah mais je suis con. Mais il n'y avait pas un autre truc? J'ai dû rêver. Il n'y avait pas un autre truc? Il me semblait qu'il y avait un autre passage. Ou je dois confondre. Évidemment. Ouais, un sacré bond en avant quand même entre Tomb Raider 1 et Tomb Raider 2. Non, ça par contre j'aime pas ça. Ça j'aime pas ça. Ça c'est un truc, je n'aime pas ça du tout. J'ai horreur de ça, Bimbou. Je déteste. Oh, y a... Sors, 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 t'as plus le temps. Putain, c'était pas loin. Mais on a... We got it. C'est bien la mafia italienne. Bon, de toute façon, t'as vu un Italien, tu les as tous vus. Non, je t'ai... on déconne. Ben, c'est comme pour les Chinois, ça. Pas la peine de perdre du temps à faire des théories. La loose. La loose. Ah putain, il y a un levier de cul. Je l'ai vu trop tard. Il y a un levier de cul. Vite. J'allais me dire pour les... Mais non. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah, c'est des grenades. On dirait un mécanisme, le bordel.
Quoique le niveau d'avant, pour le moment, était plus dur que ce niveau-là, hein, je trouve. Pour le moment. Pour le moment. C'est tout. Pour le moment. Il est où ce levier de cul? Il est en bas. Séphiros. Non, il y en a déjà un seul, ça suffit. Je me fais couillonner là. En fait. Non. Je présume, bah non, je peux pas remonter de toute façon. D'empêche, Wanda, ouais, par rapport à l'élevage de Chocobo, là, par rapport, tu sais, donc au truc. Ah, j'avais pas vu le passeport derrière, Chine, Italie. Mais l'élevage de Chocobo, quand j'ai regardé le truc, le merdier que c'était, le bordel que c'était à tout faire, j'ai dit ouais, laisse tomber, ou sinon fallait battre les quatre armes. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il fallait donc le truc. Et quand tu m'as dit qu'en fait tu l'avais pas eu, que t'en avais pas eu besoin, mais que c'était par rapport aux armes, je me suis dit je préfère que ce soit comme ça que l'inverse. Parce que un bordel, c'était. Bah c'est ça. Qui était dans le désert. Une certaine demoiselle avec une amie lui a mis la. Ah ouais? Oui, parce que tu le démarres tout seul. L'arme, je crois qu'il faut que tu en aies deux qui soient morts pour pouvoir le faire. Mais je comprends pas pourquoi on. Mais t'avais Aerys dans ton équipe, mais elle est morte. Je vais essayer un truc. Non, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui, d'accord, parce que je comprenais plus. De
doit y avoir un passage que je n'ai pas vu. Ah putain. À tous les coups. Bah non mais faut ressortir, mais la clé, elle est pourquoi? La clé de la bibliothèque. La clé de la bibliothèque. Je n'ai pas trouvé l'emplacement pour la clé. Merci Chris Clara 01 pour le follow. Merci beaucoup. Et welcome sur la chaîne de Pinkfold. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est trop bien. Bienvenue dans la bande à Pinkfold. Heureusement que je reçois les mails qui me disent, enfin quand je les reçois, qui me disent quand j'ai des nouveaux followers parce que... Des fois, on me le dit pas, c'est... Je ne le vois pas toujours. Non, 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 pas les emotes de vieux, non. Certainement pas comme mascotte. Bah, et des fois je vais pas recevoir les emotes, les n'importe quoi. Je ne vais pas recevoir les notifs. Ouais, mais là, non. Faut que je revienne en arrière, à tous les coups. Ah, bah alors là. Mais non, mais c'est là d'où j'étais. Non, encore. Ah mais les personnes de tout âge sont accès. Tellement il est vieux. Bon alors là il a dans tous les cas une boucle. C'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est la fenêtre du dessus. C'est la fenêtre du dessus. Bien sûr. C'est Nimote qui a créé Twitch. C'est comme avec Chuck Norris. Moi, je n'ai rien à voir avec cette Nimote, je suis désolé. Oui, parce que j'y suis pas allé ici. J'en étais sûr, j'allais faire une connerie. J'aurais dû sauvegarder, quel con. Il devait être vieux maintenant. Ouais, je pense que... Il doit avoir un certain âge.
84 ans? T'es sérieux? The? Putain! Bon, là je vais faire la save ici. Ah, et donc il est vraiment vieux quoi. Mais est-ce qu'il est plus vieux que le vieux? Il y a un truc derrière la cheminée. Il y a un truc derrière la cheminée. Oh putain, les cons! Oh les bâtards! Oh les... C'est très mal... Attends. Oh c'est très malin! C'est très 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 malin, mais vous m'avez pas eu. Ah que c'est malin. C'est pour ça que j'ai eu un sentiment de profondeur aussi. Quand j'ai vu la cheminée, je me suis dit putain, mais j'ai l'impression que par rapport à la taille du truc, il y a un truc qui est bizarre. Et j'ai trouvé, trouvé. Là, c'est pas la bonne clé. Si. Là, par contre, va faire sauvegarde. Va faire sauvegarde. Quel guignolo! Quel petit. Ah! C'est un petit guignolo. Il n'y aurait pas un cube à bouger là par hasard. En parlant de bibliothèque, Miss... Que je continue. Putain, évidemment. Ok. Pas de soucis, mon petit Pimbo, t'inquiète pas, je comprends. Il n'y a pas de soucis, comme t'as en plus, t'as commencé le boulot de bonne heure. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tu auras toujours le replay demain si jamais tu veux voir la suite. En tout cas, repose-toi bien. On se voit sûrement demain matin. Je streamerai alors le magasin en principe. Donc, je
T'inquiète pas, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Repose-toi bien en tout cas, merci beaucoup. Fais un gros dodo et puis on se dit à demain matin avec grand plaisir pour le magasin. Je ferai aussi du coup du FF Musique, il faut que je vois. Et ouais, repose-toi bien et puis bonsoir à Madame Pimbou aussi. Fais un gros dodo. 'Les imotes, ça fait plaisir. Et content que les imotes plaisent aussi. Ah non, non, pas ceux-là. Ceux-là, ils font pas plaisir. Non, non, non. Non, ceux-là, ils font pas plaisir. Non! Non! Bonne nuit en tout cas, mon bon Pimbou. Bon, ok, ah oui, quand t'éviteras de te manger le. Ah, je préfère les trois premiers, les mock stars. Non, faut que j'arrête de gueuler. Par contre, venez. Bande de cons, moi aussi j'ai deux. Ok. Alors on va tester un nouveau jouet qui commence par Greu, qui finit par Nad. On va pas se laisser emmerder par ces pingouins là. Mais c'est l'horreur cette emote de cul. Elle t'en est à 2500. Mais elle se fout de ma gueule. Ah mais non, ça doit être pour un lance-grenade à tous les coups. Elle fait un vieux cri de pucelle en plus. Quand on lui tire. De... Pardon. Bon, c'est pas grave.
Non, je suis sûr que je peux les poutrer. Je peux les poutrer sans perdre de la vie comme ça. Par contre, pour éviter d'avoir à ouvrir la porte à chaque fois, voilà. Bah voilà qui est mieux. Voilà qui est bien mieux. J'ai bien fait de retenter. Et là, je peux faire ma save. Donc là, entre guillemets, c'est leur demeure, aux autres, là, aux hommes de Bartoli. Enfin, c'est leur planque. En même temps, je suis con, ça s'appelle la planque de Bartoli. Ok. C'est vrai. Mais en fait, j'ai laissé des ping coins, mais je pense que je vais remettre des ping points. Bah, un ping point pour une tête de vieux. Quoi qu'il y a peut-être encore plus de têtes de vieux. Ah putain, j'aime pas ça. Y a pas un levier à la con que j'aurais pas vu. Non. Faudrait que je lance des challenges aussi sur la chaîne. J'essaierai de voir, ça peut être sympa. Oula!
Pourquoi elle veut pas mettre le détonateur? Non, ça ne marche pas. Putain, d'empêche, les lampes torches, ça part vite. Oh, il y a un secret là-bas. Le troisième, il est là-bas. Je t'ai trouvé, mon petit poulet. Voilà, sondage. Je n'ai rien. Je n'ai aucun sondage. Elle m'a baisé la gueule. Y a-t-il assez de têtes de vieux sur le stream? Je ne peux rien. Ah, elle est maligne. Évidemment, il n'y aurait pas eu un oui. Hein, c'est un sondage biaisé, ça. Alors, je m'abstiendrai de ce sondage de cul. Elle est forte, elle est douée, la vis. Mais non, il y a cinq... Mais oui, il y a cinq choix. C'est comme, est-ce que le vieux est vieux? Oui ou oui? Ah. J'ai trouvé les trois secrets. Oh putain, c'est bon ça. Il y a trois secrets par niveau, il peut y en avoir plus. J'ai l'impression qu'il n'y en a que trois. Un sondage banal. Un sondage dans une république bananière. J'ai l'impression qu'il y a trois secrets par niveau. Attends. Là, je vais m'éclater la tronche. Thank you.
Il y a un truc qui est bizarre. Il y a des trucs chelous. Pourquoi on m'amène là? Pourquoi on m'amène là juste pour un secret? C'est pas logique. Juste pour un secret, elle est là. Avec un détonateur au bout qui marche pas. C'est pas logique. Non, dans tous les cas, il y a peut-être un truc dans la bibliothèque à faire. Sachant qu'en plus, c'est fermé, donc le périmètre est réduit. Ouais. Le périmètre est réduit. Là, c'est pareil. Pourquoi mettre ça là alors qu'il n'y a rien? Ah putain! Mon charmant. Tu as un char à la maison. Ton char. Ah putain, j'avais pas vu. Ton char squatte le bureau. Bah, parce qu'il aime sa maîtresse, c'est mignon. Mais j'avoue que tu m'as fait rire, mon char m'embête. Alors attends, donc là il y a des clampins de cul. On va aller leur régler leur compte. Putain, je me doutais bien que j'avais pas tout vu. Quoique là, ça va, j'ai pas raté trop de trucs. Par contre, là, je l'avais pas fait. Ah si. Les trucs cachés et tout, j'adore ça. Y a pas mal de trucs de perspective.
Par contre, là, je suis pas jeu de bagnole, mais je reconnais qu'il est très bien fait, Forza. J'ai vu quelques trucs. Ah, mais c'est sur Forza d'ailleurs, Miss. C'était là que tu avais fait la voiture avec marqué Oh! Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a eu 6 votes? Mais qui c'est qui a voté? On est que 3? Ou ça, il y a du trucage dans les sondages. Y a-t-il assez de têtes de... Il y en a 6 qui ont voté. Moi, je me suis abstiendu. J'avoue que ton sondage m'a fait rire et quand j'ai vu les réponses, ça m'a fait encore plus sourire. Mais pourquoi m'amener ici? Et t'as voté plusieurs fois, du coup. C'est la faute de Trump. Non, j'ai t'as pas le droit, Lara. Mais où est-ce que j'arrive là? Non, non, pas des Mongols, mais c'est plus c'est parti sur un truc à la con. Attends, je veux tester un truc. C'est parti sur une attaque de vieux. Ah non, non, non. Merde, quel con, je suis en train de bousiller mes balles pour rien, je suis con. Ah, fallait sauter de l'autre côté.
Fallait sauter de l'autre côté, quel teubé. Quel con! Ah bon? Pourtant d'habitude t'en mets des liens, Wanda. Ouais, mais non, je me suis pas. Pourtant, je t'ai rien bloqué ni rien, je te rassure. Attends, je suis sûr que je peux y avoir accès au. Je suis sûr que je peux y avoir accès. Eh ben non. Je vais aller voir ça. Putain, les torches. J'adore les utiliser quand en plus c'est pour rien. J'adore gaspiller des torches. C'est pour se torcher, messieurs! Ah, la clé! Mais par contre, ça m'a string. J'aimerais bien aller voir en haut. Et je suis sûr qu'on peut monter sur ce toit de cul.
Faut croire que non. J'en reprends une, mais j'ai peut-être mal vu. Tu parlais que la porte, elle va pas s'ouvrir là? L'enculé. Faut juste que tu fasses tout le tour. Oui, tu peux juste tu fasses tout le tour de te place dans un angle du mur, repère une petite plateforme en regardant bien en l'air, et là tu prends un nacelle de Mongol vieux et c'est bon. Putain, puis en plus je lis comme un connard ce qu'elle me dit. Elle me troll. Et puis moi je suis en train de. La chipie. La chipie. Quelle branleuse. Et elle est contente de ses conneries. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, ça marche. Elle est contente de ses conneries. Putain, ah, ça tombe à point nommé, ça. Ah putain, ça tombe à point nommé, ça. Mais j'ai lu ça sérieusement. Et en fait, tu sais, quand je me suis rendu compte de la supercherie du truc. Alors, on va prendre le Mongol vieux. Et ça, t'es très doué aussi pour ça. Je suis sûr qu'en plus le dernier objet il est là-bas. Ok, merci Lara. Merci Lara, merci. Forcément un truc là-bas, il y a forcément un objet de cul là-bas. Il y a forcément un objet de cul là-bas, c'est pas possible.
Il faut pas me raconter de conneries. Hein. Bah merde alors! Quoique, à moins que. Non, bah non, on peut pas, hein. Mais ça m'étonne. Tu peux pas. Tu peux pas. Non, tu ne peux pas. C'est pas possible, tu ne peux pas en fait. Ou alors, faut m'expliquer. Bon, au pire, j'aurai 27 objets sur 28, 3 secrets, mais bon, fuck. Bah surtout qu'en plus elle peut pas se rattraper. Elle peut pas se rattraper, le toit est en pente. Boum! Ça devait arriver, ça devait arriver, ça devait arriver. Oh putain, il va me casser des noix. Qu'est-ce que ça a fait exploser? Ah ok. Enculé. À tous les coups, le dernier objet, il est là. Par contre, j'ai plus beaucoup de lampes torches. Tu l'as fait aujourd'hui? T'as fait du BioShock, Miss? Salut Jessica! Hey, yo! Et merci pour avoir eu la patience d'attendre la journée pour parler. Enchanté! Bienvenue sur ma chaîne. Je prends une porte, elle se ferme derrière. Ouais, plein de caméras de. Oh putain, oui, j'imagine, oui. Le truc qui est pas du tout stressant.
Ok. Comment ça va bien, Jess? Ah, cool! Ah, du coup, tu lui as parlé de ma chaîne, peut-être? Oh, hello! You don't speak French? Ah, c'est cool, merci Miss. C'est adorable. Elle parle pas français du coup. Welcome Jessica. And thank you very much. And thanks, Rhonda too. Do you like Tomb Raider? It's a pleasure to meet you. Welcome on the stream. Not this emotes. The man with the hat, with the black hat, I dislike this emote. Is that guy with the hat is very funny. No, but this emote isn't very funny. But Wanda enjoy to put this emote. But for me, it's not a pleasure. Stupid emote. Et tu la connais depuis combien de temps, Wanda? Ah mais c'est chaud là. Ah d'accord. Ah oui, c'est que j'ai confondu avec celui avec qui tu parlais, qui parlait anglais, je sais plus. J'ai confondu, j'ai cru que c'était. Where are you from, Jessica? Attends. Faut que je teste un truc. C'est super sympa en tout cas. Merci, Miss. J'en étais sûr. J'en étais sûr, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Et c'est du troll parce que l'objet, il n'est pas là.
Donc, je reload. Early tours. I speak English very well, isn't it? With the French accent. Yeah, I did it, but I wanted every item. I'm the map. If you want to go wherever, I will. Alors là, non, j'ai pas assez de... I'm the map. N'importe quoi. Merci, mon petit Ben. Ah, j'ai juste... J'aurais juste voulu le dernier item. Je vais save et puis je vais essayer de le trouver, mais... Ah, c'est pas dégueulasse quand même. Ben ça, ce sera pour demain, ça. Suis la mongole vieux. Suis la mongole vieux. Oh. Jessica, vas-y, elle est complètement... I'm not ill, Jessica. It's a... it's a joke, a private joke between my friends and me. Don't be afraid, I'm not ill. Ah, l'opéra, bah tiens. Non. is a boyfriend. Yes. It's my friend, just a friend, not my boyfriend. Je sais pas ce qu'elle raconte. Je vais juste par contre. Quel con. Eh, t'as fait des emotes d'ailleurs, Wanda, Jessica? Cold, but I have been mine on Etsy. Ah. Ça marche, mon petit Ben. Ben, moi, tu vois, je vais réessayer vite fait de trouver le dernier objet. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, donc, bah, du coup, bah, demain, bah, tu connais les horaires pour Final Fantasy. Puis, demain soir, il y aura un nouveau niveau de Tomb Raider, la quatrième mission. En attendant, repose-toi bien et merci beaucoup d'être venu ce soir. C'était cool.
J'essaye juste d'avoir le dernier item là et puis. Ah merde, rien de grave. Enfin, j'espère. Non, il a rien. Alors, elle a failli s'empaler sur le machin. Ben, je sais pas où il est. Alors, il y a un objet qui est pas loin. Remis. Je suis emmerdé, je trouve pas le dernier. Bon, c'est pas grave. Du coup, tu seras peut-être là demain pour le level up. Ah.
Oh putain! Ah oui! Vaut mieux faire attention, mais tu m'étonnes. Il avait besoin de se faire remarquer, le pépère. Et là, du coup, tu vas pas te coucher tout de suite. Tu vas faire dodo un petit peu plus tard. Ouais, tu vois, je commence à être... Ouais, c'est ce que... C'est ce que t'avais dit. Du coup, t'as pas terminé BioShock alors? Oh, tu vas bientôt être à la fin, à mon avis. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Et il est chaud, mais au choc aussi. Et je me rappelais plus, tu vois, de Fontaine. Quand t'as expliqué ça, je m'en rappelais plus. J'ai dit, putain, oui, c'est vrai. Il y a plus de 10 ans que j'ai dû le faire, mais au choc. Ça remonte. Ah ouais, puis surtout le premier, bah on en parlait d'ailleurs avec Champac la dernière fois, le premier il est énorme. Le 2 j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, mais j'ai été déçu sur un truc... Enfin, j'en dirai pas plus. J'ai été vraiment déçu sur quelque chose. Et le 3, par contre, c'est un truc qui est complètement... Enfin, tu verras. Je veux pas te spoiler, donc je préfère ne pas employer de mots plutôt que d'en employer et que ça te... Donc je ne dirai rien de plus. J'ai préféré le premier sur les 3. Les ennemis sont pas si débiles. Ah bah ouais, mais tu l'as fait en quelle difficulté déjà? Non, ça devait être 2020, je crois, la dernière fois que j'ai joué à BioShock. Parce que j'étais malade pendant cette période et je me rappelle que j'y avais un peu joué. Ouais, bah ouais, à 21h45. Ah, il vous reste 3 épisodes avant la fin du coup de l'aventure ou avant une pause. Ah, oh putain. Ah ouais, elle a une
belle page va se tourner alors. Une belle page va se tourner. Ah bon? Toujours avec Champac en JDR. En MJ, je veux dire. Mais toujours sur l'univers alien, je crois. Mais ouais, hier, non, si tu veux, c'est Pimbou qui m'avait raconté que j'avais pris un coup de boule. J'étais pas passé, ouais, j'étais au lit en fait hier. Et pas longtemps avant d'aller me coucher, c'était Pimbou qui m'avait dit que j'en prenais plein la gueule et que j'avais pris un coup de boule. Il m'avait dit, mais ils en ont après toi ou quoi, voilà, c'était ça. Enfin, toujours est-il que j'ai pris un coup de boule. Ah bah c'est cool. Même si vous faites un plus petit épisode dimanche, ça fait toujours un épisode en plus. Hirsch, c'est qui? Ah ouais, bah c'est Chrony du coup. Un coup de bol. Il lui a mis un coup de bol. Il a pris son bol et puis il lui a foutu sur la gueule. Il lui a mis un coup de bol. Enfin, c'est violent. C'est violent quand même. Ah bah c'est cool si vous avez passé une bonne petite session, c'est top. Ah, je dormais depuis un moment. Ah bah bravo, je ne vous félicite pas. Je vois qu'on se fait plaisir. Quand je ne suis pas là, monsieur Fold en prend plein la gueule. Dans le JDR. Bravo. De mieux en mieux. Manquerait plus qu'on me mette une tête de vieux. Et là, ce serait le pompon. Non mais je déconne, hein, t'inquiète. Oh putain, je vais pas tarder à aller au lit, je pense, la miss. Avec le ménage de tout à l'heure, plus là, le stream, plus l'heure qu'il est, je commence à piquer un peu, mais... Trois heures et demie de ménage tout à l'heure, j'en avais ras le cul. J'ai commencé à 5h, j'ai tout fait, j'ai... Ah ouais? Bah demain soir l'opéra.
Mais j'ai moins galéré à ce niveau qu'au niveau quand on le premier niveau à Venise. De quoi que j'ai galéré. Ah oui, il était galère sur des trucs. Par contre, la cheminée, c'est vrai que je pense que c'était le passage secret et que voilà. Par contre, je suis content, j'ai eu visiblement les secrets, puis presque tous les objets aussi. Mais le premier niveau à Venise, quand... Quand tu devais passer à côté des portes, puisque les portes s'ouvraient et tout, fallait le savoir, j'aurais pu chercher hyper longtemps. Ah, j'ai raté un levier tout en haut. Normalement, par la cheminée, on passe par tout en haut. Bah non, mais surtout que je l'avais débloqué le passage. Je l'avais débloqué le passage au-dessus de la cheminée, la trappe. À tous les coups, le dernier objet, il était là-bas. Ces jeux sont remplis de mystères et c'est ça qui est trop bien. Tu vas faire quoi là après la miss? Ah, t'inquiète, ça fait toujours plaisir de te parler aussi. Ouais. Bah, je pense qu'il va pas. Il va pas. Ah oui, c'est vrai, tu vas faire du Forza. Je pense qu'il va pas falloir que je compte beaucoup de Mongols vieux pour m'endormir. Putain, mais ça va aller vite, je pense. Mais au moins, le ménage est fait, je suis tranquille. J'ai tout le week-end là où je vais pouvoir streamer tranquillou. Et ça va être cool. Bon. En tout cas, je te souhaite un bon Forza. Ah non. Attends que... Ah putain! Quelle horreur! Ah non, quelle horreur! Vous allez arrêter avec cette emote de merde. Je n'en peux plus. Regardez-moi cette sans déconner, j'en peux plus, j'en peux plus. Emote de cul. Miaou, c'est la mila. Remettez-moi Miaouss tout de suite, je vous prie. Je vous prie. Je vous prie. Bon, en tout cas, bah, très bon Forza à toi. Repose-toi bien aussi, passe une bonne nuit. Moi, demain matin, donc, je ferai du magasin. Oui, c'est con, mais c'est drôle.
Et puis, bah, passe une très bonne nuit en tout cas. Dors bien, repose-toi bien, Miss Fonda. J'espère que ça va. Et donc. Putain, ouais, là, j'ai le coup de barre qui arrive. Là, je bâille de plus en plus. J'ai les yeux qui commencent à se fermer. Je vais pas m'éterniser. Et puis bah je te dis bah sûrement à demain du coup donc FF je vais faire du level up à 15h jusqu'à 18h ou 19h donc voilà. En tout cas voilà pour cet épisode 3, pour cette troisième étape pour Lara à Venise. Enfin troisième étape du jeu et deuxième étape à Venise. Donc bah dormez bien tout le monde. Très bonne nuit Miss Fonda, bon Forza, et puis à demain pour de nouveaux épisodes. Sayou, sayou! Désolé, je coupe là, mais je ne tiens plus, donc je vais retrouver mon plumard et ça ira mieux tomorrow. Ciao, ciao tout le monde, et à demain. Dormez bien! Bye bye! Salut la miss!